Mes chers compatriotes, des élections décisives approchent. Bientôt, il vous faudra choisir un nouveau guide. L'on me dit que le désespoir vous gagne. Modeste famille, mes petits, mes fragiles, n'oubliez pas que du ciel je vous vois, fourmis travailleuses qui avaient le goût de l'effort et de la sueur. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'octroyer à tous ceux qui sont dans la peine une prime à la sueur de près de 17 euros brut par semestre. À tous ceux qui n'ont plus rien, une épaisse couverture sociale leur sera distribuée dans des points relais par des scouts et des prêtres en chaleur, enfin très, très chaleureux, dans une ambiance de bonne camaraderie. Pour ceux, les chômeurs longue durée, afin qu'ils retrouvent la confiance qu'ils ont perdue, des tests d'intelligence leur seront proposés. Notés de 1 à 3. À tous ceux qui auront 3 sur 3, un sandwich au pain leur sera offert, avec un peu d'huile, gracieusement, sans aucun frais. J'y tiens. Je suis tout à vous. Confiez-moi vos malheurs, je vous aiderai à les supporter. Mais de grâce, ne vous morfondez pas dans vos taudis insalubres. Secouez-vous, sortez de vous. Mais lorsqu'on est bête et fier de son ignorance, l'impossible reste possible. Prenez le risque de tomber. Vous ne tomberez pas de haut. Je le sais. On me l'a dit. Beaucoup de vous, et parfois les meilleurs, boivent pour oublier leurs bêtises. L'alcoolisme et le désespoir aidant, ils se livrent parfois des attouchements sur leurs enfants attardés ou vomissent sur leurs nouveau-nés. Parfois même en urinant sur leurs chiens obèses. C'est pourquoi je vous le serine. Je vous le serine, n'abîmez point votre santé par de ces drogues qui vous tuent un mammouth en un éclat de rire. Des drogues, s'il n'en faut pas sans commande, mais celles de nos laboratoires, Tranquillium, Jambeplux, Ralbolium, Temastar, la plus grosse. Consommez, consommez, je vous les rembourse avec votre argent. Mes jeunes compatriotes qui m'écoutaient et qui allaient voter bientôt pour la première fois, jeunesse de nos sauvages banlieues, souvent crépues ou décrépées pour chercher un job, qui sentaient le manioc, le curcuma, le wasabi et en fin de journée la crevette, de notre nation. Vous en êtes là, Hération. Mais, je vous le serine, acceptez votre différence, acceptez ce méchant visage, cette peau grise et huileuse, et luisante, et cette haleine de croque-mort qui a si souvent découragé nombre de vos employeurs. Mais, aujourd'hui est un jour neuf, car pour vous, jeunesse métissée, je me suis battue comme une tigresse en chaleur, pour créer ce nouveau concept, un mini-salaire for a big job. Un cadeau pour vous. Et dès demain, je vous l'assure, vous trouverez un big job for a mini-salaire. Mais dans tout domaine, par exemple, pour trier des déchets organiques dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, pour récupérer des dents sur les personnes âgées en fin de parcours, que sais-je encore.
la liste serait bien longue. Jeunesse colorée, gamin des poubelles. L'on vous dit le pire de moi. Je le sais, on me l'a dit. Mais je suis pareil à vous. Moi aussi, je transpire quand je fais du tennis contre le mur. Même quand je gagne. Moi aussi, en ma jeunesse, il m'est arrivé de participer à des bamboulas, mais oh, jusqu'au chant du coq. Moi aussi, j'ai connu la bohème et vécu avec moins de 500 euros la semaine. Moi aussi, qu'allez-vous croire? Moi aussi, dois-je l'avouer? J'ai pris de ces drogues qui vous boostent un chameau jusqu'à Constantine, comme on dit chez les chasseurs alpins. Qu'allez-vous croire? Mais que je fusse un surhomme, un messie descendu au quenon, parbleu. J'ai des goûts populaires. Au risque de vous surprendre, j'adorais Claude François, le chanteur égyptien. D'abord pour sa chevelure couleur paille, et c'est sa propreté. Ah, sa propreté, intérieure comme extérieure, astiquée de tous côtés. Il était mon modèle à moi, enfant. Dites-le dans vos banlieues. J'ai des goûts populaires, que diable! Jeunesse multicolore de nos banlieues sauvages jaunes, à tous, je vous le dis, soyez fiers d'être chez moi, car c'est aussi chez vous. Vous faites partie de cette grande famille dont je suis le pater familias, le grand Manitou, le guide suprême. Le guide suprême. Permettez-moi d'y rester. C'est pourquoi, je vous le prie, votez pour moi, car moi, je vote pour vous. Vive la République, vive la France. Oui, maman. Alors, j'étais bien, non? Oh non, arrête, je me suis adoré. Ah, j'étais génial, non? Oh si, l'empathie, non mais t'as vu l'empathie et tout, et puis le vocabulaire et tout. Oh, le moment, hein, si. Bah, tu peux pas, attends maman. Bah, si. Oui, non mais attends, moi je te garantis que les gamins des banlieues vont voter pour moi. Ah ça, je te le signe. Oui, mais toi t'es d'une autre génération, maman. Si. Mais si, maman, mais je te jure. Je le sens. Si, ils voteront pour. En tout cas, hé, hey, les propositions sont sur la table. Bah si, ça, tu peux pas dire le contraire. Bon, on en reparle au dîner, maman. D'accord. Moi aussi, maman.